Eh bien salut à tous, c'est Techniz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Airsoft, ou une nouvelle vidéo d'Airsoft, comme vous voulez. Et cette vidéo là va être un peu spéciale comparée à celle la précédente, car cette fois-ci j'avais deux caméras, donc une vraie GoPro qui était sur mon torse et une autre caméra, qui est la copine GoPro qui est la mienne, qui était sur ma réplique. Donc une qui était sur mon torse et une qui était sur la réplique à la place du viseur. Cette vidéo je vais faire mon maximum pour qu'elle soit mieux que la première vidéo d'Airsoft et que je commente un petit peu par dessus, et le montage va être un peu plus propre et les musiques vont être un peu mieux. Dans cette partie j'étais avec des potes à moi ainsi que ma soeur. Il y avait les mêmes personnes que la dernière fois que je n'ai pas cité. Si vous vous rappelez, si vous avez déjà vu la première vidéo, si vous l'avez pas vu, conseiller d'aller la voir, voilà. Et il y avait d'autres personnes en plus qui voulaient essayer le Airsoft avec nous, c'était la première partie. Et franchement, c'était plutôt bien aimé, c'était rigolo. Et là, comme vous pouvez le voir, j'étais en train d'essayer la GoPro avec mes potes. Ouais. On m'appelle Monsieur GoPro. On m'appelle Monsieur GoPro. Ah ouais. Mec, ça m'a niqué les oreilles, je regarde les deux de bouche. Tu peux filmer pendant 5 heures. Plus 3 heures, et avec les batteries externes. Mais là tu devrais couper le temps. Comme vous pouvez le voir, on était plutôt pas mal et on a tous joué ensemble, c'est ça qui a été cool. Donc c'est au même terrain que la dernière fois, à la Airsoft Battle SH. Et je précise aussi que la caméra que j'ai, qui est la copie de la GoPro, mais version japonaise, chinoise, tu vois, et bien le micro est dégueulasse, c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler. Du coup je vais combiner les deux caméras, les deux sons de caméra, pour que vous nous entendez bien quand je parle en pleine partie. Comme vous pouvez le voir là, la caméra qui est sur mon torse, on entend bien ma voix. C'est pour ça que je vous laisse des petits passages où on entend ma voix et on discute. Il y a aussi des bruits assez gênants, genre des toc, clac, clac ou des choses comme ça. Je suis désolé, je peux pas trop arranger ça parce que c'est des très courts moments. Et si je dois faire ça pour toute la vidéo, j'ai au moins 10 heures de montage. Donc voilà, je suis désolé. C'est à cause quand je cours ou quand je touche la caméra ou mon casque, et bien on entend ce bruit là. Là, nous étions en train de préparer les équipes. Donc on désignait un chef. Et nous voyons par quel mode de jeu nous allons commencer. Donc là c'était le matin, on n'avait pas encore fait de partie, on allait juste commencer. Vous pouvez le voir, on était plutôt pas mal. Titi, on compte sur toi pour assurer les arrières. Ouais. Moi je sais pas, j'ai pas trop confiance, je sais pas pourquoi. Lui il tire pas droit lui. Tu es mort. Nous ce qu'on fait c'est qu'on va suivre Mister Famas, parce qu'il est déterminé. Alors du coup on le suit. C'est notre sergent. Là c'est de la match à mort. Y'a pas d'objectif, tu tires. Juste le bob qui dépasse. On a 5 vies. On a 5 vies, écoute. On a 5 vies. Combien de temps avant de repartir? À la fin, 30 secondes. Ok, vie illimitée. Ouais. On respawn à chaque fois. On revient au spawn et on revient. On revient au jeu. Dès qu'on fait le jeu, on revient. C'est parti pour filmer, ma tête. Alors là, comme vous avez pu entendre juste avant, c'est un mode match à mort par équipe. On a vie illimitée, car au départ c'était 5 vies car ils avaient hésité. Mais en fin de compte, c'est vie infinie comme une MME normale dans les jeux vidéo. Donc du coup, vie illimitée, match à mort par équipe pour faire le plus de kills possible. La team qui fait plus de kills gagne la partie. Donc je vous ai mis la caméra du viseur en haut à gauche et la caméra torse au milieu, donc le principal. Quand je viserai, je ferai un zoom sur la caméra viseur, ce qui est logique. Il y a des moments où je dirai des choses importantes, donc je montrerai le son un peu plus fort quand je parlerai, quand des collègues parleront, des potes à moi, etc. Vous nous couvrez? Regardez à gauche, il y en a un qui regarde à gauche et à droite. Ça tire, ça tire. Regarde, on a les outils. Faites gaffe à droite! Non, ça fait pour. Voilà. Regarde les vieux là, regarde les vieux qui marchent là. Je viens à tirer la bâche, tu vois.
te rejuger. T'as tiré sur un arbre là. A droite, y'a des gens. Ouais bah ça tire de là-bas, j'ai reçu le billet là. Alors là j'entame ma deuxième vie. J'ai été sorti avant par un mec qui venait du fort. Je sais pas si dans la vidéo à un moment on sera au fort, mais dans la première vidéo si vous l'avez regardé, il y a un fort et justement il y avait un sniper juste en haut, donc je me suis fait avoir de là. Et quand je disais les personnes avec qui j'étais, j'ai oublié de préciser que j'étais aussi avec mon père et des amis à lui, qui parmi eux avaient déjà fait du airsoft, sauf un. Sinon, ils avaient déjà tous fait du airsoft et du coup, ils nous aidaient pas mal. C'était plutôt avantageux. Je tiens aussi à préciser que pour cette partie-là, j'avais oublié d'activer la caméra viseur. Donc du coup, vous allez avoir un moment du gameplay moins travaillé que la partie première partie ou les autres parties. On a fait un kill à deux. Et ça, à droite, ça arrive à droite, ça nous contourne vers la droite. On a fait un kill avec la droite. Comme vous pouvez voir à ce moment-là précis, j'allume la caméra qui est sur la réplique et donc c'est à ce moment-là que ça va passer en mode visé. Thank you.
Bon voilà, là c'est ma deuxième vie, c'est pareil que tout à l'heure, j'ai encore oublié de rec mon viseur, donc du coup ça va être encore en caméra comme ça, je suis encore vraiment désolé. Parce qu'en fait sur le feu d'action, à chaque fois fallait que j'active, désactive à chaque fois les caméras pour pas vider la batterie, pour pas vider tout ça. Donc c'est un peu galère, du coup c'est pour ça que j'ai zappé quelques prises. Je suis désolé, mais bon ça n'empêche pas que ça rend toujours la vidéo cool. Attends, je l'ai touché là. Non mais c'est abusé. Ah, la bille elle est pile dessus mec. Ah ouais. Il est caché entre des arbres, mais je l'ai touché, j'ai vu la bille aller dessus. Dans les bois, tu vois pas? C'est lui qui tire dessus. Droite, là-bas. Où y a le filet à droite, regarde. J'ai vu un mec qui s'est coté là. Mec, on est en train de les démonter là-bas. Regarde, tiens, devant les barricades. Au passage, si tu sais. Donc, toi, si tu vas aller comme ça, tu vas les mettre en face, tu vas partir. Fais gaffe, il nous voit à droite. Ouais, j'ai mis out. À droite, derrière la palissade. Oh, je l'ai eu à la tête. On est tué en retour, on est là, au fond là-bas, on est tué en retour. Oh, j'en ai asmaté mon gars. Et l'Highlander et les mecs comme ça là. Moi je suis refaite là. Ouais, tu veux que je te dise, j'ai fait 0 ou 4. T'es sérieux, t'as fait 0 kill? J'ai fait 3 à 4 kills moi. Je suis mort, deux fois. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé les gars, j'espère que vous a plu. Une autre vidéo arrivera sur le Airsoft, bien entendu, car j'en ai tourné une autre cette fois-ci, la caméra. Je peux pas vous spoiler où elle était, mais ça va envoyer du très très lourd. Même, je dirais, un peu plus lourd que celle-ci. Voilà, à vous d'être impatient. Donc je remercie tous ceux qui étaient... Qu'ils étaient présents là-bas. Merci à la Airsoft Battle SH de nous avoir encore fait passer une journée de ouf, de dingue sur leur terrain, et merci beaucoup. À chaque fois qu'on y va, on s'éclate et voilà, c'est top, malgré quelques joueurs qui ne sont pas fair play. Oui, vous m'avez entendu gueuler. Vous m'avez entendu gueuler qu'une seule fois, je crois, et genre, ça arrive plus d'une fois. Pendant cette journée, c'est arrivé plus d'une fois. Et je n'avais pas rec parce que ça commençait un petit peu à me les briser, si tu vois ce que je veux dire. Mais sinon c'était une super journée malgré quelques petits Highlanders. Mais bon, pas pour autant qu'on ne peut pas s'amuser. Donc voilà, je vous remercie tous. Ceux que je connais et qui ont une chaîne YouTube et les réseaux sociaux, etc. Eh bien, leurs liens seront dans la description. N'oubliez pas d'aller la checker. Ils font des vidéos sur YouTube aussi, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà. Encore merci à mon cousin qui était là et qui m'a prêté la GoPro pour sur le torse. Voilà, merci beaucoup à toi et c'est super plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas le pouce bleu qui tue et le petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans cette vidéo. Pour donner votre avis carrément, ça sera mieux. Sur ce, moi je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo et sur ce, ciao ciao.